Monsieur Rigaud était un de ces hommes rares que le ciel fait naître pour servir de guide et de modèle aux artistes. Il reçut en naissant un tempérament assez fort pour soutenir les fatigues d'une longue et constante étude de la nature qu'il se fit toute sa vie une loi inviolable d'imiter. Mais s'il a su la rendre parfaitement, ce n'a pas été en la copiant servilement dans ses ouvrages et tels qu'elles se présentent souvent, mais par un choix exquis qu'il en a fait. Il connaissait la grande distance qu'il y a du beau à l'excellent. On l'a vu plus d'une fois effacer les choses qui lui avaient coûté plusieurs jours de travail et qui plaisaient aux plus habiles, pour se contenter lui-même et parvenir à cet excellent qu'il s'était proposé. Un génie supérieur, né pour la peinture du premier ordre, comme Raphaël, Titien, Rubens, Van Dyck et les autres. Monsieur Rigaud s'était destiné pour l'histoire, et il y serait sans doute parvenu au plus haut degré. Il est aisé d'en juger par le progrès rapide qu'il fit dans ses études à l'Académie royale. Il en remporta tous les prix, avec beaucoup de distinction, par un tableau du Crucifiement, que j'ai entre les mains, sur lequel il fut reçu comme historien, quoiqu'il ne soit qu'à moitié composé, et surtout par le précieux tableau de la présentation qu'il a terminé vers la fin de sa vie. Mais le talent et la grande réputation qu'il eut dès sa jeunesse par la parfaite et belle ressemblance dans les portraits, augmentant tous les jours dans Paris, il fut bientôt surchargé d'occupation et fut obligé d'abandonner l'histoire, sans avoir pu la reprendre que pour faire par intervalle le dernier tableau dont je viens de parler. Il prit pour son modèle dans le portrait le fameux Van Dyck, dont le beau pinceau le charma toujours, et dans les premiers qu'il a faits, on y voit cette belle exécution et cette fraîcheur de carnation qui ne viennent que d'un pinceau libre et facile. Il s'attacha dans la suite à finir soigneusement tout ce qu'il peignait. Mais son travail ne sent pas la peine, et quoiqu'il tourne tout avec amour, on y voit toujours une belle façon de peindre et une manière aisée. Il a joint à l'aimable naïveté et à la belle simplicité de Van Dyck une noblesse dans ses attitudes et un contraste gracieux qui lui ont été particuliers. Il a, pour ainsi dire, amplifié et étendu les draperies de ce célèbre peintre et répandu dans ses compositions cette grandeur et cette magnificence qui caractérisent la majesté des rois et la dignité des grands dont il a été le peintre par prédilection. Personne n'a poussé plus loin que lui l'imitation de la nature dans la couleur locale et la touche des étoffes, particulièrement des velours. Personne n'a su jeter les draperies plus noblement et d'un plus beau choix. Il a trouvé le premier l'art de les faire paraître d'un morceau par la liaison des plis, ayant remarqué même dans les grands maîtres des draperies qui semblaient de plusieurs parties, par ce défaut de liaison que la gravure fait mieux sentir que le tableau, parce qu'elle est dénuée de couleurs. Il était l'ennemi de cette simplicité pauvre et mesquine qui n'est point celle de Van Dyck, et jusqu'aux moindres choses, il les ennoblissait et leur donnait de la grâce.
Il a porté au plus haut degré cette partie si considérable dans les tableaux où si peu de peintres excellent et où les connaisseurs fixent d'abord leur attention, je veux dire les mains, qu'il a peintes d'une beauté et d'une correction parfaites. Ses ouvrages ont cela de remarquable qu'ils plaisent également de loin comme de près, parce que le beau fini n'en note pas l'effet. Si dans quelqu'un de ses derniers portraits on ne trouve pas toute la fermeté dans le pinceau et la vérité des teintes dans l'écarnation qu'on a toujours vue dans ses autres ouvrages, c'est qu'à la fin, les yeux s'affaiblissaient. Eh ! Quel est le peintre à 80 et tant d'années qui se soit plus maintenu dans la correction et la pureté du dessin ? Pour les draperies, l'expérience et les réflexions continuelles les lui ont fait composer encore plus savamment et d'un plus grand goût que les premiers. Et j'ose avancer que dans cette partie de la peinture, j'entends par rapport au portrait, il a surpassé tous ceux qui l'ont précédé. On voit qu'il se plaignait dans ses ouvrages, comme il avait l'âme grande et les sentiments élevés, et que toute sa personne et ses manières avaient un air de distinction, de même, ses tableaux portent un caractère de noblesse qui leur est propre. Un mérite si extraordinaire a fait sans contredit de M. Rigaud un des plus grands peintres que nous ayons eus, et ses qualités personnelles l'ont fait chérir de toutes les honnêtes gens. Il avait le cœur admirable, il était époux tendre, ami sincère, utile, essentiel, d'une générosité peu commune, d'une piété exemplaire, d'une conversation agréable et instructive. Il gagnait à être connu, et plus on le pratiquait, plus on trouvait son commerce agréable. Enfin, un homme qui avait su joindre à un si haut degré de perfection dans son art une probité si reconnue, méritait bien pendant sa vie les distinctions et les honneurs dont la cour et toute l'Europe l'ont comblé. Et après sa mort, les regrets de toutes les personnes vertueuses et la vénération que les artistes auront toujours pour sa mémoire. Thank you.
Thank you.
Rigaud était alors le premier peintre de l'Europe pour la ressemblance des hommes et pour une peinture forte et durable. Mais il fallait persuader à un homme aussi surchargé d'ouvrage de quitter Paris pour quelques jours et voir encore avec lui si sa tête serait assez forte pour rendre une ressemblance de mémoire. Cette dernière proposition, qui l'effraya d'abord, fut peut-être le véhicule de lui faire accepter l'autre. Un homme qui excelle sur tous ceux de son art est touché d'y exceller d'une manière unique. Il en voulut bien faire l'essai et donner pour cela le temps nécessaire. L'argent, peut-être, lui plut aussi. Je me cachais fort à mon âge de mes voyages à la trappe. Je voulais donc entièrement cacher aussi le voyage de Rigaud, et je mis pour condition de ma part qu'il ne travaillerait que pour moi, qu'il me garderait un secret entier, et que s'il en faisait une copie pour lui, comme il le voulut absolument, il la garderait dans une obscurité entière jusqu'à ce qu'avec les années, je lui permisse de la laisser voir. Du mien, il voulut 1000 écus comptant à son retour. Être défrayé de tout, aller en poste en chaise, en un jour, et revenir de même. Je ne disputais rien, il le prit au mot de tout. C'était au printemps, et je convins avec lui que ce serait à mon retour de l'armée et qu'il quitterait tout pour cela. Revenant donc de Fontainebleau, je ne couchai qu'une nuit à Paris, où, en arrivant, j'avais pris mes mesures avec Rigaud, qui partit le lendemain avec moi. J'avertis en arrivant mes complices et je dis à M. de la Trappe qu'un officier de ma connaissance avait une telle passion de le voir que je le suppliais d'y vouloir bien consentir, car il ne voyait plus presque personne. J'ajoutai que, sur l'espérance que je lui en avais donnée, il allait arriver, qu'il était fort bègue et ne l'importunerait pas de discours, mais qu'il comptait s'en dédommager par ses regards. Monsieur de la Trappe sourit avec bonté, trouva cet officier curieux de bien peu de choses et me promit de le voir. Rigaud arrivé, le nouvel abbé, monsieur même et moi, le menâmes dès le matin dans un espèce de cabinet qui servait le jour à l'abbé pour travailler et où j'avais accoutumé de voir monsieur de la Trappe qui venait de son infirmerie. Ce cabinet était éclairé des deux côtés, et n'avait que des murailles blanches avec quelques estampes de dévotion et des sièges de paille, avec le bureau sur lequel M. de la Trappe avait écrit tous ses ouvrages et qui n'était encore changé en rien. Rigaud trouva le lieu à souhait pour la lumière. Le père abbé se mit au lieu où M. de la Trappe avait accoutumé de s'asseoir avec moi, à un coin du cabinet, et heureusement Rigaud le trouva tout propre à le bien regarder à son point. De là, nous le conduisîmes en un autre endroit où nous étions bien sûrs qu'il ne serait vu ni interrompu de personne. Rigaud le trouva fort à propos pour le jour et la lumière, et il y apporta aussitôt tout ce qu'il lui fallait pour l'exécution. L'après-dîner, je présentai mon officier à monsieur de la Trappe. Il s'assit avec nous dans la situation qu'il avait remarquée le matin et demeura environ 3/4 d'heure avec nous. Sa difficulté de parler lui fut une excuse de n'entrer guère dans la conversation, d'où il s'en alla jeter sur sa toile toute préparée les images et les idées dont il s'était bien rempli. Monsieur de la Trappe, avec qui je demeurais encore longtemps et que j'avais moins entretenu que songé à l'amuser, ne s'aperçut de rien et plaignit seulement l'embarras de la langue de cet officier. Le lendemain, la même chose fut répétée. Monsieur de la Trappe trouva d'abord qu'un homme qu'il ne connaissait point et qui pouvait si difficilement mettre dans la conversation l'avait suffisamment vu, et ce ne fut que par complaisance qu'il ne voulut pas me refuser de le laisser venir. J'espérais qu'il n'en faudrait pas davantage, et ce que je vis du portrait me le confirma tant il me parut bien pris et ressemblant. Mais Rigaud voulut absolument encore une séance pour le perfectionner à son gré. Il fallut donc obtenir de M. de la Trappe, qui s'en montra fatigué,
et qui me refusa d'abord. Mais je fis tant que j'arrachais plutôt que je n'obtins de lui cette troisième visite. Il me dit que pour voir un homme qui ne méritait et qui ne désirait que d'être caché, et qui ne voyait plus personne, tant de visites étaient du temps perdu et ridicule, que pour cette fois, il cédait à mon importunité et à la fantaisie que je protégeais d'un homme qu'il ne pouvait comprendre, et qu'il ne se connaissait ni n'avait rien à se dire, mais que c'était au moins à condition que ce serait la dernière fois et que je ne lui en parlerais plus. Je dis à Rigaud de faire en sorte de n'avoir plus à y revenir, parce qu'il n'y avait plus moyen d'espérer. Il m'assura qu'en une demi-heure, il aurait tout ce qu'il s'était proposé et qu'il n'aurait pas besoin de le voir davantage. En effet, il me tint parole et ne fut pas la demi-heure entière. Quand il fut sorti, M. de Lattrape me témoigna sa surprise d'avoir été tant et si longtemps regardé, et par une espèce de muet. Rigaud travailla le reste du jour, et le lendemain encore sans plus voir M. de Lattrape, duquel il avait pris congé en se retirant d'auprès de lui la troisième fois, et fit un chef-d'œuvre aussi parfait qu'il eût pu réussir en le peignant à découvert sur lui-même. La ressemblance dans la dernière exactitude, la douceur, la sérénité, la majesté de son visage, le feu noble, vif, perçant de ses yeux si difficiles à rendre, la finesse et tout l'esprit et le grand qu'exprimait sa physionomie, cette candeur, cette sagesse, paix intérieure d'un homme qui possède son âme, tout était rendu jusqu'aux grâces qui n'avaient point quitté ce visage, exténué par la pénitence, l'âge et les souffrances. Le matin, je lui fis prendre au crayon le père abbé, assis au bureau de M. de Lattrape, pour l'attitude, les habits et le bureau même, tel qu'il était. Et il partit le lendemain avec la précieuse tête qu'il avait si bien attrapée, si parfaitement rendue, pour l'adapter à Paris sur une toile en grand et y joindre le corps, le bureau et tout le reste. Il fut touché jusqu'aux larmes du grand spectacle du chœur et de la communion générale à la grand-messe le jour de la Toussaint, et il ne put refuser au père abbé une copie en grand pareille à mon original. Il fut transporté de contentement d'avoir si parfaitement réussi d'une manière si nouvelle et sans exemple. Et dès qu'il fut à Paris, il se mit à la copie pour lui et à celle pour Lattrape, travaillant par intervalle aux habits et au reste de ce qui devait être dans mon original. Cela fut long, et il m'a avoué que, de l'effort qu'il s'était fait à Lattrape et de la répétition des mêmes images qu'il se rappelait pour mieux exécuter les copies, il en avait pensé perdre la tête et s'était trouvé depuis dans l'impuissance pendant plusieurs mois de travailler du tout à ses portraits. La vanité l'empêcha de me tenir parole, malgré les 1000 écus que je lui fis porter le lendemain de son arrivée à Paris. Il ne put se tenir avec le temps, c'est-à-dire 3 mois après, de montrer son chef-d'œuvre avant de me le rendre, et par là, de rendre mon secret public. Après la vanité vient le profit, qui acheva de le séduire, et par la suite il a gagné plus de 25 000 livres en copie, de son propre aveu, et c'est ce qui fit de la publicité. Comme je vis que c'en était fait, je lui en commandai moi-même, après lui avoir reproché son infidélité, et j'en donnai quantité. Thank you.
Thank you.
Thank you.